Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 243 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Schoolgirls. Schoolgirls qui est un jeu de combat. Marvelous. OverGUI. GGPO. Donc il est en anglais, c'est un jeu de combat comme je disais, c'est un jeu de combat qui est plutôt atypique. Voilà, donc on va juste passer ça. C'est à moitié du français, à moitié de l'anglais, vous avez vu, il est marqué chargement, sauf que bah en fait c'est pas en français. Enfin, voilà, vous m'avez compris quoi. On est single player, on va se mettre en mode arcade parce que le mode story, bah, vous aurez le temps de l'avoir. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on se bat, quels sont les personnages. One super full character, two high powered character, three normal powered character. On va prendre un. Donc on va prendre un caractère random parce que je ne connais personne là-dedans. Tiens, on va prendre lui là. Je connais absolument pas le jeu, les personnages, je sais juste que c'est un... pas comme on le sait d'habitude. Effectivement. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors moi je suis à gauche, hein. On est d'accord, hein. Je suis Pinwheel. Ok, je suis en train de me faire démonter. Je sais même pas comment on joue, je me fais démonter. Et sinon, tu me laisses jouer sinon? Je suis en train de m'agiter, voilà. C'est un wrap. Voilà, je viens de faire un combat, j'ai complètement rien compris. Alors les graphismes sont spéciaux parce que j'ai vraiment du mal à trouver... à trouver, comment ça s'appelle, le... On va mettre un personnage random. À trouver le personnage, en fait le personnage ressort beaucoup... Enfin, je trouve qu'il ressort très mal par rapport au décor. Et apparemment, ça a l'air d'être que des femmes, hein, au passage. Schoolgirl, de toute façon, je m'attendais pas à ce que ce soit des mecs, mais... Alors, je débloque des succès depuis... je débloque des progressions depuis tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi. Ok. Ah, pour l'instant, c'est surtout moi qui me fais démonter, hein. Je sais pas comment faire des attaques. Je me fais démonter, c'est un truc de fou. Ah, elle m'envoie des bombes en fait, depuis tout à l'heure. Je vais le capter, hop! Oui, je vais peut-être arriver à faire quelque chose. Oui, non, 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 non. Ah, je me suis fait démonter. Alors, je pense qu'il faut se... je sais pas si c'est moi qui suis très très mauvais. Il faudrait que je... Comment ça s'appelle? Que j'apprenne un peu les commandes. Donc je vais essayer de refaire un truc en mode random en prenant un personnage au hasard. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ok. Est-ce que je peux mettre sur start?
Alors, commande liste, parce que du coup, voilà. On va essayer de voir quelles attaques je peux faire avec tout ça. Alors, c'était quoi les super attaques? Forbidden procédure. C'est quoi ça, MPMK? HK, HK. C'est quoi? C'est quoi la... C'est quoi K en fait sur ma manette Xbox? On déconne. PK, PPPK. HP, LP. C'est... C'est parce que c'est moi K. Bon bah... Ok, ok, ça va, je recommence le jeu, je me fais démonter. Oh putain, c'est moi qui fais ça? Les attaques sont originales au moins, ça c'est sûr, on peut pas leur enlever ça. Par contre, franchement, l'IA est trop fort. C'est, je fais un combat 1 contre 1, je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Je me fais mais démonter. Regardez, regardez comme je me fais aplatir. Je me fais rouler dessus, comme dirait un collègue. Ouh, je vais peut-être arriver à gagner. Peut-être arriver à gagner. Oui, oui, non, non. Putain, l'enfant, c'est là. Non, mais j'arrive pas à en placer. Oh, je l'ai mis? Non. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. J'ai gagné contre le personnage. Par contre, vous avez deux barres de vie et moi j'en avais qu'une. Ok. Ok. Alors attendez. Parce que moi j'ai. Pour l'instant, j'ai qu'une barre de vie à chaque fois. Et eux, ils en ont deux. Donc déjà, je comprends pas. Voilà, on va prendre deux personnages. Custom option, Honor Bomber et un autre. Voilà, deux personnages totalement aléatoires, je ne les connais pas. Ah là, on joue à l'arme égale, 2 contre 2. What the fuck, quoi. Donc là, moi, je suis à gauche. Ah bah c'est un peu mieux comme ça. Vous trouvez pas que c'est un peu mieux quand même que je lui mets une belle raclée? Hein? Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Et voilà, elle est out. Je vais pas la fuir longtemps. Hein. Ah, j'aime mieux ces parties-là, vous voyez? Vous voyez, j'aime beaucoup mieux. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis... Voilà. Hop, c'est vachement intense, mais j'appuie... Là, du coup, j'ai trouvé comment un peu la mettre un peu à terme. Voilà. Donc, pour une fois, j'ai gagné. Ce qui est plutôt intéressant. Par contre, vous avouez que je l'aime pas du tout, le jeu. Alors, je suis pas vendeur, hein, mais là, j'ai vraiment du mal à comprendre de y avoir un univers. Hein. Donc là, en fait, je suis en mode arcade, donc du coup bah, ça finira pas avant un moment. Mais on va voir si j'arrive à faire pareil un peu avec tous les autres joueurs. Parce que pour l'instant, ce personnage, je l'aime bien en tout cas. Le personnage que je sais pas du tout comment il s'appelle. Double, ok, super. Donc il est pas marqué. Ouh, comment elle a pris cher en étant en l'air. Ouais.
En fait, j'ai un personnage, il est... Je crois qu'il est ultra chelou parce qu'en fait, c'est plein de personnages à la fois. Je sais pas. Comme je connais pas du tout le jeu. Ouh, je lui ai mis un wrap dans la tronche là aussi. J'ai un peu trouvé 2-3 combos sur mon touche, donc du coup, j'arrive à la démonter. On va voir si je fais pareil au combat d'après. Mais regardez-moi, mon personnage, il ressemble à rien. Comment on peut savoir que c'est une femme? Ah putain. Commence bien. Alors elle aime bien lancer ses lianes, ses grosses lianes. En fait, je suis plein de personnages à la fois. Yep. C'est moi qui me fais démonter ou c'est elle? Ah, c'était elle. Donc j'ai fait une super attaque. J'ai pas compris. À quel point je ne sais pas ce que je fais. Je fais des choses que je ne sais pas. Peut-être que je fais des choses. Peut-être que je gagne en faisant exprès. Peut-être que je gagne en faisant pas exprès. Ladies and gentlemen. Surtout des ladies parce qu'il y a que ça. Il n'y a pas de public, il y a des décors qui sont... Bon bah du coup, on peut dire qu'ils sont sympas les décors, même si, franchement, par rapport au personnage, on est à fond dans du dessin et j'arrive pas à faire la part des choses entre le personnage et le décor. Franchement, c'est... Ouais. Sur un Street Fighter, on a bien la différence est bien marquée. Que là, sur un Schoolgirl, là... Voilà, là je l'ai mis à terre, il va y avoir sa pote. Qui arrive et qui a déjà perdu un quart de sa vie. Ouh, qui m'est cher. Ouh, je prends cher. On arrêtera le test à ma prochaine défaite. De toute façon, je pense, parce que on a à peu près fait le tour du jeu. Enfin, pas le tour, mais bon, il y a toute la story, j'imagine qu'il y a toute une histoire. Après, c'est pas en français. Et puis c'est. Je sais pas, ça a l'air limité. Alors, je pense qu'il y a quand même une communauté de gens qui doivent jouer à ça, mais je vois ça beaucoup moins à haut niveau. Et pourtant, je sais que ça existe, je crois. Enfin, il me semblait que j'avais déjà vu ça à haut niveau. Que c'était quand même un jeu qui était apprécié. Et je sais pas, moi j'ai du mal à voir ça à haut niveau, ce genre de jeu. Même s'il doit y avoir un peu, voilà, il y a toutes les attaques, des combos, on doit pouvoir parer assez facilement. Oh, mais c'est elle qui m'attaque là. Un peu compliqué là, à attaquer. Est-ce que vous avez vu cette attaque? Donc c'est un jeu fun. Mais je pense que je m'ennuierai vite. Voilà. Voilà ma conclusion. Il y a des pour et des contre. J'espère que je vais pas perdre. Voilà, bon, j'ai gagné. That's a wrap, acceptable. Allez, on se fait un autre combat. Pour l'instant, j'ai 4 victoires à la suite. Ça commence quand même à devenir serré. Mais j'ai pas bien compris pourquoi je m'étais fait complètement laminer avec mes autres persos, sachant que j'ai pas joué mieux ou moins bien. Là, j'ai juste trouvé 2-3 combos qui sont sympas avec elle. Ouais, vous voyez, je fais toujours à peu près les mêmes attaques. Après, du coup, c'est mes adversaires qui modifient leur technique. Moi, je suis toujours pareil. Vu que je comprends pas forcément tout dans le jeu, là. Et puis qu'ils te laissent pas forcément comprendre non plus. Peut-être, il doit y avoir peut-être un mode...
un mode pour les gens qui... enfin, un mode... comment ça s'appelle? Un mode tutoriel, sûrement. Mais pour l'instant... pour l'instant, je me fais surtout la mine. Enfin, je me fais surtout... je la mine surtout, et... au début, je me faisais surtout la miner, c'est surtout ça que je veux dire. Oui, je fais des attaques que je sais même pas comment je les fais, quoi. Des nouvelles attaques, hein. Bats of Wrap. Ah bah en plus, au passage, pour la terminer... regardez, c'est un personnage il est dégueulasse et en même temps... C'est quoi? C'est bizarre. C'est bizarre, voilà. Je reste sur le fait que c'est bizarre. Attendez, il n'y en a qu'une, allez, je m'en fais une autre, allez. Juste une autre pour perdre. J'ai l'impression que je sais pas pourquoi, mais je la sens beaucoup moins bien celle-là. Hop. Ouh, c'est tendu, là, c'est tendu, ça commence, comme j'ai dit, ça commence à être de plus en plus hardcore, et mes attaques ne suffisent pas forcément à gagner. Bats of Wrap. Ok. Cette fois-ci, ça continue, je pense. Je sais pas combien il y a de combats dans un mode. Ouais, je dois tous me les faire, je pense. Tous les personnages. Sauf qu'on va arrêter. Voilà, on va arrêter sur ce jeu-là. Alors, je vais me répéter, mais par rapport à ce que j'ai dit pendant qu'on jouait. Donc, je le trouve bien. Cela dit, bon, du coup, c'est un peu brouillon. Voilà. Bah, c'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure. C'est un peu brouillon, parce que par rapport au personnage, par rapport au gameplay, c'est vachement rapide. Voilà, vous êtes plongé dedans direct. Si vous connaissez pas, ça peut paraître un peu surprenant, comme ça, dès le début. Je pense que... il doit y avoir un sacré potentiel. Je pense que le jeu, il doit être joué par beaucoup de gens. Un peu comme un Street Fighter, une sorte de variante. Avec son univers à lui, quand même, les personnages... voilà, en plus c'est tous des femmes, voilà, schoolgirl, c'est pas pour rien. Mais franchement, c'est pas le genre de jeu que je pourrais jouer régulièrement. Voilà. Après, c'est mon avis, je pense qu'on peut aimer, on peut ne pas aimer l'univers, le personnage, le dessin, comment il est fait. Voilà, ce que j'en dirais, c'est tout. Donc je vous dis que si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, bon, je la trouve pas top top, mais voilà, j'ai essayé de présenter au mieux par rapport à ce que je voyais. Vous pouvez me le dire, mettez-le en commentaire. On se retrouve de toute façon pour la prochaine vidéo dans pas longtemps. On va essayer de partir sur un... de retourner peut-être sur un jeu indé, on va voir. Je vais voir. Vous verrez très bientôt. Et puis voilà, sinon abonnez-vous, partagez pour faire connaître. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, c'est dommage. Voilà, on se dit à plus. Tchou!